Jodi, mesdames et messieurs, chef gang assassin barbecue, monsieur parler, le déparler, le parler, le reparler, le déparler, le toi parler, tellement monsieur paniqué, il pas connaît finalement qui ça pour le dire encore. Jodi à la l'appement des dialogues, jodi à la l'appement des concours diaspora, jodi à la prend pause, ils sont bon monde. Alors ce que nous connaît barbecue, monsieur pas jamais bon monde. Et bien maintenant qui ça nous prend, nous va le faire tant des déclarations chef gang barbecue lui-même après force Kenya on finit rentrer dans le pays et ben monsieur décidé là donc pour le dire il prêt pour dialogue et c'est dialogue qui est toujours demandé bon qui barbecue t'a demandé dialogue ça même si t'as demandé dialogue mais action a mené pas gagne cap fort confiance parce que ou a kidnapper moun ou a tuer moun ou a boule affaire moun ou a casser business moun on aura d'autres vivre ensemble pour crime que ça on est en faire dans pays ça franchement moi me saisi. Nous allons faire entendre des déclarations barbecue. Assassin criminel, mesdames et messieurs, policier MikMik, qui c'est bon allié Chris là, que la police te mette en bas code, dernièrement là, ensemble avec divers autres policiers, et bien je dis à bagay la plus compliqué que ça, monsieur, t'es espéré. Parce que d'après toute enquête qui menait, bon côté, eh bien, DCPJ, yo jeune tout ça, monsieur participer dans tuer en pile monde, monsieur participer dans violer en pile jeune femme, monsieur fait en pile crime, mesdames et messieurs. Les tériels, télistes qu'on a pas dénoncé, monsieur. Esaü Césac, c'est journaliste, matin débat, et toujours campé en croix, tant qu'on médecin, pour le défendre MikMik. Eh bien, je dis, mes résultats, Esaü Césac, pas qu'à dire rien, parce que monsieur honte. Les que qu'on a dit, eh bien, mais qui ça, monsieur, lui-même, lui qu'on a réglé dans Carrefour, dans bagay caravane, et prend bail caravane ça comme couverture pour faire affaire voler affaire gang yo et ben je dis à maintenant qui ça MikMik tomber mesdames et messieurs nous pral inviter au gain détail gagne tout commissaire Ricmond après révocation li qui sorti dans silence li nous connaît tout ça depuis le temps des questions révocation qui t'a lancé manifestation dans Okaï et ben je dis à tout le monde Okaï dit frère nous pas dans manifestation parce que ou pas il rien vraiment dans département gang envahi Okaï alors que dans bloc Muscadet pas gain bagaille comme ça. Eh bien, je dis à la Ronald Richemont, monsieur jeune révocation et tout le monde bat bravo eh bien, pour décision ça qui ministre justice là, mesdames et messieurs, les mêmes li prend. Donc, pour voyer Richemont al chita en côté, parce que monsieur sont incompétents, ils sont inutiles, ils ne parlent rien, eh bien, mais qui ça, les qui mettent nos postes, ou pas de travail, ou pas de résultat, donc c'est comme ça. Et soit Ariel Henry, ils ont été kembe, comme Simdadou, et ils ont été en bagaille. Eh bien, je dis à mesdames et messieurs, maintenant qui ça Ronald Richemond lui-même les prend en côté pour plus de détails n'a tourné. Jodia pays arrivé non cafou et que pour vrai petit Lio et que mauvais la vie te fait courir quitter pays pour monde ça retourner la caillou. Diaspora yo, c'est moteur et poumon économie pays d'Haïti. Sans diaspora yo, pays a tap pi mal que Jean li là. C'est diaspora yo qui paye caille, c'est diaspora yo qui baille manger, c'est diaspora qui baptême, c'est diaspora yo qui enterrement. C'est diaspora qui représente toute bagaille pour le pays d'Haïti. Mais ça n'a pas empêché, nèg qui fait politique sale en Haïti, ça n'a pas empêché les politiciens traditionnels yo exclu diaspora ça yo de politique pays. Jodi a demandé toute diaspora k'ap gade nous là. Faut yo organiser yo pour yo venir participer dans bataille ça k'ap fait bataille réelle pour changer pays d'Haïti. Contrairement à ça politiciens traditionnels yo a fait quoi. Contrairement à sa bourgeois, senti bourgeois corrompu, a fait nous quoi que force révolutionnaire, jeune pas famille aller, man tout son groupe gang cap terroriser population, nous dit non, bataille ça, c'est bataille diaspora yo et que yo même pour yo capable tourner dans pays là, pour yo venir investir et que pour nous capable lancer économie pays ça et que pour nous capable mettre pays ça sur route développement. Il a gué MikMik puisque MikMik c'est un puissant chef de gang qui dans la police là, qui a opéré en bas couverture la police, et monsieur Guéant Pilzami, Jean-Frédéric, monsieur Guéant Pilzami, qui dans le système judiciaire là, qui dans la police, et aussi qui dans bien classe politique là, en parlant de MikMik. Et MikMik ça, et suivant yon témoignage et Yobanou et Jodia et monsieur et qu'on même recevoir l'argent et pour lui exécuter moun. Ça veut dire que son aigle sous ta besoin, sous en affaire avec un moun et debout jouer MikMik, eh bien on va payer la exécuter pour. Alors MikMik et son aigle tout et monsieur touillé plusieurs jeunes garçons et pour question femme depuis et monsieur suspect ou à femme ni eh bien et ou mourir d'après ça et témoignage quelqu'un carrefour donc le tabano et MikMik t'a tué un jeune garçon et alors monsieur kidnappé jeune garçon et puis li tué li et ça devait être non dimanche et pour vous lundi et jusqu'à maintenant et parents a cherché et Timoun ça pas venir ça fait plus que 6 mois et Timoun ça li était Carrefour mais et parents et sorti eh bien et précisément dans Grandance donc le Grandance il parle de zone et zone et bonbon et c'est là eh bien et parents Timoun ça sorti son jeune garçon que monsieur t'a exécuté pour question femme, il t'a accusé jeune garçon comme quoi il t'a avec une demoiselle qu'il était avec lui. Eh bien, il t'a informé que petit bonhomme non a payé quand même jouer dans jouette. Donc on ménage qu'il t'a gagné. Eh bien, en conséquence, monsieur li disparaît petit garçon et jusqu'à maintenant même corps petit garçon et il pas rejoindre ça gagne et plus que 6 mois, mesdames, messieurs. Et on fait connaître que citoyen ça, l'État possédé plusieurs armes, puisque et majorité, et pour ne pas dire 100% acte que monsieur posé dans tout le monde, il pas fait l'examen la police, il fait avec l'autre arme, et comme c'est gang ni le jeune arme, facile, c'est l'examen ça, donc monsieur est mené, et censé mener, donc opération, mesdames, messieurs. Alors, et monsieur vient à l'arrestation, donc dans Pétionville, jusqu'à maintenant, monsieur l'y gardé à vue dans DCPJ et pour les suites nécessaires, entre temps, les gros contacts à fait et pour être capable de libérer monsieur. Eh bien, non groupe vivent ensemble gagnent, et dans groupe ça gagnent, et quelques monde y a suspect et qui t'a fait partie du système judiciaire là. Et qui est dans le groupe vivant ça gagné gros bouche l'ouvri et qui fait un de groupe ça hier soir pour le matin et sous arrestation et MikMik puisque les gars même et dit et yo pas écarté possibilité pour te faire on pote bourré et dans DCPJ pour te essayer donc prend MikMik yo même alors c'est ça qui t'a déroulé en dedans un groupe. Donc, monsieur G9 yo et vivant ensemble yo et a dirigé côté gagne dans Jeff Gaulois, gagne Iso et il appli la mort sans jour et tout chef gang yo en dans groupe ça et avec l'autre soldat et puis et plus allié gang nan qui dans politique avec qui nan et question et la justice et bien en dans groupe ça les gars dit que yo pas écarté possibilité. Et pour te faire un poté bourré, eh bien, pour y aller prendre et MikMik et non DCPJ, puisque nego dit tout, il n'y a pas écarté possibilité, et pour faire ça, mais il a soulevé question, eh bien, et force étrangère, et qui n'a pays, est-ce que cap arrivé, eh bien, faire un bagage comme ça. Donc, en tout cas, d'après, et ça, monsieur Vivant Samio, et fait qu'on est et fuck eh bien allié et moun qui allié eh bien gang et Genève et qui mieux placé soit dans la politique ou bien dans la justice fait tout ça capable et pour yo et mettez MikMik donc dehors donc eh bien qui joint arrestation dans Pétionville et avant-hier et qui gardé à vue et non direction centrale de la police judiciaire en parlant de DCPJ, mesdames, messieurs. Donc, c'est un d'un coup ça, on discuté en pile parole, et tout ça qui pas fait au plaisir, c'est un d'un discuter. Ça doit là, toute grande décision que nous avons pour attaquer des mondes, pour attaquer des biens dans le pays, pour attaquer entreprises, tout discuter, et un d'un groupe là d'ailleurs, c'est un d'un groupe là même, et planification faite, et c'est un d'un groupe là tout. Donc, yo est cassé rendez-vous, mesdames, messieurs. Et c'est un groupe, c'est à tout que Negio discuté et dossier la mort et Panagrine. Et Panagrine, et yon accusé des gens qui sont alliés, qui en d'un groupe là, et yon accusé des gens en d'un groupe là, mais qui dit que yon exécuté, yon t'a exécuté, donc, et Panagrine, et yon t'a fait quoi que c'est même allié ou encore qui fait action ça, mesdames et messieurs. Alors, les gens disent c'est que, eh bien, yon pas écarté possibilité. Même si l'ICA paraît pas facile par rapport avec position et DCPJ qu'on a trouvé li, et l'armée d'Haïti, COBIM, et commissariat et aéroport, et gagner encore force étrangère qui n'a pays. Donc, l'ICA paraît difficile et pour que, eh bien, les gens font poté-boué en DCPJ pour qu'ils soient capables, eh bien, et mettre MikMik dehors. En tout cas, c'était avant. Et l'ité pas impossible pour te faire, puisque ouais, nèg arrivé attaquer porte, yo te attaqué DCPJ déjà, ça veut dire que nèg ça yo pas garanti qu'à faire. Donc ça arrivé connier, donc il capable difficile pour nèg yo ta ka essayer porter bourré et en dedans et DCPJ pour y aller mettre MikMik dehors. En tout cas, est-ce que MikMik a plagué, nous pas connaît, mais il pas impossible tout puisque Jean l'État, jeune la justice là, et puis MikMik son gang qui bien soudé, qui bien soudé. Saluer toute famille, amis, partisans, à toute fanatique moyo qui senti yo troublé, avec mauvais paroles, méchanceté, cap circulé tout côté. Nous connaissons pays nous, c'est un pays côté yo plus détruit. Que construit. M'a salué tout le monde qui remèm à tout ça qui paraît même yo. M'a salué décision ministre justice là qui décidait quand même pour un petit bout de temps pour enquête sur diverses plaintes li di qui ont déposé dans le ministère qui l'a dirigé. Moi-même à tout backup moins qui a desservi population Sidlan depuis 5 l'année dans courri des bandits dans monde qu'on en pleine dans soleil qu'on en fait noir avec la pluie bandit à sapate à cravate bandit à veste quand tout voletait drogue dealer lité contre détention préventive prolongée. Nous là, disponibles à disposer pour toute enquête, quelle que soit, administratif, judiciaire et journalistique. Juste pour lumière blahi, sous toute parole méchanceté, détracteur yo lagué sous nous. La loi qui se boussole moins, l'a toujours été boussole moins, tout côté, dans toutes circonstances. M'a demandé toute famille, amis, à tout l'autre monde qui a supporté ça me connaît yo et ça me pas connaît yo. Pour nous rester tête frette, faire silence, surtout dans moment épreuve difficile ça n'a traversé. Ou dans le Ricmond que nous te connaissons, c'est lui-même qui est toujours là, à toute valeur morale il te gagné et circonstances Pape Chagel. Kembe femme, pas moli. Pendant la retan, sans perdre du temps, commission enquête, ministre justice là, pour lumière établie sous diverses plaintes. Bon dimanche, bonne fête papa, merci un peu.